Salut à tous. Donc on se retrouve toujours avec Sion dans la tour de l'horloge. D'ailleurs, tour de l'horloge, ça me rappelle un truc, mais je sais pas quoi. J'ai l'impression d'avoir déjà vu ça autre part que dans la RNH. Oh putain. Ouais, sans douter, il y a des combats avant le boss. Ah bah là, enfin dépasser les 100 HP là. Foxy. Bon, par chance, ils ont attaqué toujours le même perso. Donc, il n'y en a qu'un à soigner du coup. Ouais, on peut nous faire chier pour 9 trucs. Hein. Et là, on arrive devant le premier des divins d'Anan. Et du coup, il nous attaque. Mais franchement, et le design énorme. Le gars de sa tranquille, assis sur son fauteuil avec une horloge qui tourne, c'est énorme. Donc là, on va utiliser pas OHPU, que j'ai fait hors vidéo, hein, pour augmenter l'attaque. Et là, bah, un conseil, ayez des soins. Voilà, et quand on a l'attaque augmentée, ça fait mal. Le truc, c'est que lui aussi, il fait mal. Et il nous fait chier. Et comme j'ai pas de sort de soins très puissant... Alors, quand il y a un truc comme ça... Un conseil. Alors si vous avez les HP à fond, défendez-vous. Si vous en avez pas plus beaucoup, soignez-vous. Voilà. Du coup, il nous a rien fait. Aïe. Oh, le coup de peau. Voilà, donc en fait, faut le combattre à l'arme et soigner et augmenter les stats, quoi. Bon, ça, c'est assez chiant parce qu'il nous retire notre truc, du coup. Et du coup, ça lui fait perdre un tour, donc c'est pas grave. Merde, qu'est-ce que je fais? Donc voilà, si on gère entre les altérations d'état et les... Enfin, les altérations d'état. Les augmentations de stats et les... Et les trucs, c'est bon. Alors là, ouais. À chaque fois qu'il parle, hein, de toute façon, faut se défendre. J'adore l'autre liste. S'attache les cheveux pour se défendre, je sais pas quoi. Ça. Voilà. Il fait quand même mal, hein. Il peut pas rester longtemps à des attaques de cette puissance, donc vous inquiétez pas. Même si lui aussi il fait très mal, comme vous l'avez remarqué. Et là on y va à la bourre. Voilà. Ce qui est bien dans le jeu quand même, c'est que les boss on voit s'ils sont prêts de crever ou pas, quoi. Ça rassure. Et voilà. Ah, donc je sais pas si vous vous rappelez, à un moment il y avait des
des portes qu'on a rencontrées, qui s'étaient marquées dessus qu'on pouvait pas les ouvrir. Et qu'il y avait une horloge dessus. Voilà. Et en faisant ça, bah, toutes les portes qui étaient verrouillées et qui avaient une horloge dessus là, bah, on peut à présent les ouvrir. Magie plus. Ouais. Oui, je sais pas ce que je fous avec le levier. Bon alors. Bon, bien sûr, il n'y a pas de truc pour retourner au début directement, donc on est obligé de tous retaper dans le sens inverse. Alors je sais pas s'il y a encore des ennemis, mais je suppose que oui. Ah, attendez, pas de conneries, je vais pas sauvegarder. Voilà, alors attendez, c'est pas beaucoup agressif. Ouais. Alors, apparemment il y a plus d'ennemis. Que je dise pas une connerie, que je fasse pas un démoxisme. Normalement il y a plus d'ennemis. Ah, et là on retrouve, bon, Marc, vous connaissez. Qui des dunes. Quand ils courent tous comme des tarés. Ils sont déjà barrés. Attendez, je me rappelle qu'il y avait une porte avec une horloge quelque part dans cette tour, mais je sais plus où. Je suis même pas certain en plus. Je crois bien. Hein. Ouais, elle est là. Merde, ça tous les coups parce que j'ai cassé le levier. Putain, merde, je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire là. Ouais, on s'en fout. Ou alors faut peut-être le faire dans l'ordre ou je sais pas quoi. On s'en tape. Au pire, j'ai pas loupé un truc qui est pas important, je pense pas. À mon avis, c'est normal qu'on puisse pas la récupérer. Alors, voilà. On quitte la tour, alors ça c'est vraiment génial, parce qu'autant il n'y a pas de téléporteur, autant on peut quitter voilà, sans problème, donc c'est bien. Et nous voilà arrivés au jour 6. Et ces salopards se barrent. Donc là il faut retourner au train. Par là. Non, pas par là. Si, par là. Mais attendez, je voulais savoir juste ce que c'est ça, je me rappelle pas. Rugue. Oula. Ah oui, d'accord. Ah, il y a une aiguille dessus encore. Ouais, c'est bien ça en fait. On peut pas toutes les traverser comme ça, les aiguilles. Les portes à aiguilles. Bon, j'espère que c'est ça. Hein. Parce que si j'ai fait une connerie, que je peux plus jamais ouvrir les portes avec des horloges au-dessus, je suis dans la merde. Je pense pas, je pense que c'est normal. Enfin bon, on cherche pas. Pourquoi je dis ça, moi ? On s'en fout, on s'en fout. Donc voilà, poulet choucroute Saint-Bernard. Bon, trouver l'intrus. Oh là. Oh le con. Oh, j'y crois pas. La honte. Bon, un autre truc bien, c'est que. Si on termine le combat, voilà, ça régénère les. Enfin, ça ressuscite les persos. Donc on part d'ici. Et on retourne au train. Et voilà.
C'est vrai qu'il y a toujours autant de trains qui volent dans les cieux comme ça. Voilà, donc on peut partir. Et ah oui, j'ai oublié de vous dire qu'on pouvait passer par là. Donc là on trouve un peu de tout. Attends, je vais leur parler, on ne sait jamais. C'est vraiment trop con leur truc. Ah, ils changent déjà, Laika. De toute façon, je crois que j'ai un truc à 2. Ouais. 9. Je suis trop con. J'avais compris, tu trouveras un Bargozan. Je me dis, c'est quoi un Bargozan? Ah, ça, en fait, c'est un bar, ok. Fallait comprendre. Avec leur engage à la con. Hein. Alors, objet au bon. De toute façon, à chaque fois que j'ai un truc que j'en ai 9, je l'utilise. Parce que sinon, on peut plus en avoir après si je... Voilà. On sort. J'adore le cheminot là. Alors, où est-on? Ruines de Glam. Ok, on est juste au nord des ruines de Glam. Ok, voilà, assez sympa. Attendez, c'était quoi le deuxième truc? Ouais, sympa les cartes. De Roma, ok. Alors, vu qu'on s'est fait un peu de fric, on va peut-être acheter des trucs. Cerclias. Ouais, j'hésite parce que après, si on a des bons trucs, déjà Grégory, ça crée toujours autant quoi. Jean-Paul, on s'en peut le vendre, on s'en fout. Ça, non. Ouais. Attendez, j'ai peut-être fait une connerie là. Parce que s'il avait un attribut spécial, on s'en tape. Je fais le taré là, je vends tout ce qui bouge, on s'en fout. Non, attendez quand même, ça serait con de partir les mains vides. Bouclier anti-feu, anti-foudre. Ah ouais, quand même. Si, si, ouais. Non, mais là, ça compte, là, si c'est anti-feu. Et anti-foudre, ouais. J'en ai acheté un au cas où. Ça, j'en ai déjà un, mais j'en ai racheté un autre. Ouais. On va dire que c'est bon. Ça, c'est un peu con. Tous les trucs qu'on a obtenus, quoi, ils sont obsolètes maintenant. Ah, attendez, est-ce que c'est un truc à deux mains ou à une main l'autre? Ouais, ça c'est mieux donc, attendez. Ça, ça a aucun attribut de toute façon. Je veux savoir si ça a deux mains ou une. Ça, ça a une, ça. Donc ça, ça a deux. De rien, Gozal. Donc, attendez. Oui, je suis chiant. Ouais, merde. J'ai acheté le bouclier pour rien. Bon, j'ai fait n'importe quoi, je lui ai mon prix, je me suis fait intubé, bon, c'est pas grave. Comme Rousseau ou Tou. Mais attendez, est-ce que j'en ai pas déjà des trucs d'eau moi? Ah, aussi. Match de Yang, dommage d'eau. Hop, on le fout là. Dommage d'eau. Ah oui, putain, j'ai oublié Naruto. Saloperie. Ouais. Et Rousseau, bon, on va le tenter, ça. Tuc, tuc, tuc. Voilà, dommage de vide. Bon, il s'est foutu de ma gueule. Je lui fous une trempe, lui. Il s'est foutu de ma gueule, là, ça va aussi. Voir, j'ai mal vu. Non, non, c'est ça. C'est bien réel, ce truc. Bah ouais. Ouais, il s'est foutu de ma gueule, c'est bien ce que je disais. Bon, on s'en fout. Voilà. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une auberge quelque part? Encore un truc à...
putain, et ça, franchement, j'ai peur, là. J'ai peur d'avoir fait une connerie. Tout d'un coup, faudrait plus le toucher, le truc. Tous les coups, j'ai fait une énorme connerie. Non, là, franchement, je stresse comme un taré, là. Parce que si j'ai cassé les portes... Aussi, ils sont cons, mais pourquoi ils créent un truc où on peut lui péter, c'est con. Bon, je pense pas que je les ai cassés, mais... Ouais, normalement, je peux les ouvrir, je comprends pas. Il y a peut-être un ordre où... Ou j'ai bien fait une connerie. Bon, on verra bien. Voilà, donc, jour 6, la nuit, donc juste avant le jour 7. Ah, sympa. Donc, il va y avoir des monstres d'attributs feu apparemment dans le truc. Donc, bah, si vous jouez, hein, parce que je sais pas si vous suivez juste le truc comme ça ou si vous y jouez aussi. Ce qui m'étonnerait, hein. À mon avis, je suis le seul à y jouer. Vous avez pas forcément le temps aussi. C'est vrai que c'est sympa de regarder de Oxu. Comme ça, on a même pas besoin de jouer au jeu, on connaît bien. Enfin, des fois, c'est chiant de regarder des vidéos de merde aussi. J'en ai fait, hein, je dis pas le contraire. Donc, il y a des monstres de feu ici. Alors, on va s'équiper de trucs de feu. Donc, lui, il reste pas au feu. Putain, à tous les coups, il a un truc de feu avant, je l'ai enlevé. J'ai fait que de la merde. Donc, elle, c'est bon. Ouais, c'est bon. Tous les langues anti-fou. Et lui, non. Masse d'attributs de feu. Pas moyen de lui mettre un truc. Ouais, et puis on s'en fout. Enfin, sans. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser là. Et on verra bah, à la prochaine. On se retrouve à la prochaine vidéo. Pour faire ça. Allez, salut.